Bonjour. J'ai besoin d'avoir un éclairage sur Matthieu 11. Matthieu 11, 12. Or, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui ne s'en vont pas. Je veux mieux comprendre simplement parce que dans Colossiens, l'apôtre Paul dit, rendons grâce à Dieu qui nous a délivrés, tout à transporter dans le royaume de son fils. Donc je veux juste comprendre ce passage. Si réellement le royaume des cieux est forcé pour tout enfant de Dieu, alors qu'on a reçu le Saint-Esprit. Ah oui. En fait, il faut jamais sortir des versets bibliques de leur contexte. Et d'abord le contexte du chapitre, parce qu'à la base il n'y avait pas de chapitre ni verset, contexte du livre, contexte du testament, notamment la nouvelle alliance, et de la première alliance, donc de l'ensemble des écritures. Quand le Seigneur dit que le royaume est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Les violents, c'est ceux et celles qui persévèrent tout simplement. Il parle de la persévérance, tout simplement. Il a dit dans Matthieu 24, cet évangile du royaume sera prêt à le monde entier pour servir le témoignage. Il dit que l'iniquité se sera accrue. Hein, ce sera accrue et l'amour du plus grand homme se refroidira. Et celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Nous sommes présentement en esprit par la foi dans le royaume de Dieu. La sanctification, la sainteté sont les signes, les conséquences de ce royaume, les fruits de ce royaume. Maintenant, Dieu nous donne les moyens spirituels pour rester dans ce royaume. D'accord ? Il nous fait grâce, il nous donne les moyens, les armes, notamment Éphésiens 6, la foi, tout ça, le couplet de la foi, la sainteté de la vérité. Nous avons ces moyens-là, ces armes pour rester dans le royaume. Et Paul dit dans Matthieu 24, dans Actes 24, 14, Actes 14, 24, il dit, c'est par beaucoup de tribulations, hein, verset 20 là-bas, qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Donc c'est la persévérance, tout simplement. Donc c'est ça, c'est cette violence-là. Voilà, c'est des persévérants, des gens qui ne lâchent rien, qui, même s'ils sont. Même si on s'oppose à eux, même si tout le monde les traite de sorciers, ils ne lâchent pas, quelle que soit l'opposition. Voilà. Et Hébreux 10 nous dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme, hein, qui passent jusqu'à la fin.